Giorgio, ça avait bien dérapé. Belle, faut se réveiller. C'est le moment. Bienvenue pour une nouvelle journée au camp Askin, c'est notre petite oasis au milieu de cette putain de tempête de merde. Tu crains rien ici. Hey Butcher, et ton bras. Alors tout le monde, donc je viens de me taper officiellement le tout premier bug du jeu. Peut-être qu'il a pas kiffé le jeu que je change les graphismes en cours de partie. Il a dû relancer le jeu et tout. Et ouais, je me suis tapé ça en fin de cinématique. Bon, bon petit erreur, décalage d'écran et tout, etc. J'ai pas trop compris. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Sinon, je ferai une petite coupure semi-propre, mais bon. C'est un peu casse-couille, quoi. C'est bon, c'est. On est même pas à une heure de gameplay qu'il y a déjà des petits bugs. Hein, et ça vient pas de moi. Hein. Il y a largement la config requise. Hey Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc? Ouais, c'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. On a une nouvelle mission. FOB 4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste? Le genre qu'on doit pas connaître. Ripcord a pris un sacré coup sur la tranche. Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Du calme, on aura des avions de combat en soutien aérien pour cette mission. Ça sera une partie de plaisir. Mettez les casques. À tous les appareils au rapport quand vous serez prêts. Badger 9A, prêt à partir. Badger 9-2, prêt à y aller. Badger 9-3, paré au décollage. À tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go. Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme il faut. Oh merde, Adler. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle? Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon. Le collier à Ripcord va devoir attendre encore un peu. On va se séparer de l'armada pour un détour. Et en quoi c'est une bonne nouvelle? On nous a averti de la présence d'un poids lourd en ville. Un agent russe connu sous le nom de Perseus. Oh merde! J'apprécie l'enthousiasme, Sims. Si la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'or de renseignements. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. J'approche du village. Bien reçu, je vais établir une zone d'atterrissage. Ah bah non, ça a pas bugué. Bon, tant mieux. Bon, c'est... Et moi, Belle. Allez, on y va.
coups sont loin d'être finis. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. Oh, no recoil ou quoi? Petit RPD et tout. Limite, j'ai même pas besoin de viser. Ah bah oui, j'ai le recul, j'ai du recul en moins, c'est vrai, je suis con. Notre source a aperçu les rues dans un bâtiment du centre-ville. Allez, Ben, passe devant. Continuez à avancer, vous êtes plus très loin. Sims, Ben, voilà le bâtiment. Planquez-vous, on s'occupe de tout. Paf. Permet de faire un petit tour. Ah putain ouais quand même. Trois couverts, on se prend trop de pétards et on décède. Ce qui est logique. Hein. Hop là, nettoyer. Vas-y, Belle, je te suis. Putain, je suis rapide comme un fauve, c'est un truc de ouf. Bang bang bang. On peut pas sortir par la fenêtre. Ah, c'est des Russes. Chercher une aiguille dans une voiture. T'entends ça? Après toi, Belle. Ouvre la porte. Adler, c'est confirmé. Les Russes sont là. C'est sûr? Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamiens, en tout cas. Belle, vas-y, prends le registre. On va voir avec qui il discutait. Mission accomplie. On a les infos. On se tire. Bravo, lâchez pas les infos. On arrive pour vous ramener. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Okay. Ah, ils m'ont sneak ces bâtards. Badger 9-1, ici Ripcord. On subit toujours des tirs nourris. Les Viet ont infiltré le périmètre, quel est votre statut? On est en route, Ripcord. Préparez le transfert du colis. Affirmatif, 9-1. On va protéger le colis le plus longtemps possible. Ripcord terminé. Wow, pas mal le petit passage en hélico.
trop violent. Ah ouais. Ah. Bah alors les bidons, on les fait survoler. Ah là là, pour l'instant. Ah putain, merde les barques. Ok, je peux envoyer plus d'une roquette à la fois, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des ennemis partout. Ça leur apprendra, on les tire, Mel. Ah. Ok, d'accord, je me prenais des pruneaux d'en bas. Dégommé, comme ça on est sûr, il n'y a plus personne. Pas mal, passage en hélico. Un peu mal au crâne, mais bon. Je sais pas où il me tire. Ok, d'accord. Ah merde, je suis trompé. Ça, c'est vraiment, t'as la vue est vraiment pas mal. Hein. On se croirait dans Rising Storm 2. Majeur 9-1, vous êtes autorisé à atterrir. La reçue, Ripcord.
Bien reçu, Ripcord. C'est vous, Adler? Du Mac Vessog? Ouais, ouais. Bougez-vous le cul, allez! Oui, chef. Merci. Ne remerciez pas. C'est Bev. C'est lui qui nous a rapporté un si bon butin des renseignements russes. Allez, vite. Bonne chance, commandant. Une bombe nucléaire? Tu te fous de ma gueule, Adler? C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus. On est déjà désespérés. Pas encore. Une bombe nucléaire à bord, je veux pas dire. Perseus était au courant. Sims, Belle, tout va bien? Ouais, ça va. Belle, arrose-les avec la tourelle avant qu'on soit submergé. Évidemment, on n'aurait pas mis recharge automatique, ça serait trop pété. Oh, au secours! Qu'on peut parler de victoire, Sims. Au moins la bombe a pas pété. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Je t'avais dit qu'on avait une mission. Et on n'a pas fini, loin de là. Oui. Comment s'est passé l'exercice de mémoire? Bien, en croire Adler. Ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de les décoder. On y a trouvé quelque chose? Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Park essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant du petit incident à Berlin? Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferais.